Gente fine, outra coisa. Distinguer-se é une autre chose. Gente coisa, outro fine. Tu le vis ou tu l'imagines. Ma chanson fait le tour de la favela ou d'une tour. Se méfie du serpent monétaire, évidemment. Tu rêvais d'abolir les frontières, la musique devenait planétaire. Mais la violence a ses clients pris dans la machine où sont tes rêves, tes évasions. Oh, n'oublie jamais d'ensoleiller les imaginations. Gente fine, autre chose. Distinguer, c'est une autre chose. Gente chose, autre fine. Tu le vis ou tu l'imagines. Gente fine, autre chose. Distinguer, c'est une autre chose. Gente chose, autre fine. Tu le vis ou tu l'imagines. Des foules indociles, mais la main du pouvoir se serre dans le velours noir. Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires, dérisoire ton pamphlet planétaire. Mais la violence a ses clients pris dans la machine où sont tes rêves, tes évasions. Jamais d'ensoleiller les imaginations. Gente fine, autre chose. Distinguer, c'est une autre chose. Gente chose, autre fine. Tu le vis ou tu l'imagines. Gente fine, autre chose. Distinguer, c'est une autre chose. Gente chose, autre fine. Tu le vis ou tu l'imagines. C'est une autre chose, James Coise, autre fine, tu le vis ou tu l'imagines. James Fine, autre chose, distinguer, c'est une autre chose, James Coise, autre fine, tu le vis ou tu l'imagines. Cynique, bonsoir. Bonsoir. Vous avez pu assister un peu. C'est pas rien. Bonsoir Bernard Lavilliers. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. On est vraiment très heureux de vous avoir parmi nous. Alors votre album s'appelle Samedi soir à Beyrouth. C'est un disque qui est très marqué reggae. Vous avez été le premier d'ailleurs à nous ramener des rythmes différents, des rythmes d'ailleurs. Mais le reggae, si vous voulez, c'est jamaïcain, parce qu'il n'y a pas que du reggae du tout. Il y a du ska, il y a du mento, il y a du dub, et il y a même du ragamuffin avec trio. Donc c'est un genre de panorama de rythme jamaïcain. Et alors au même titre que les voyages, vous avez toujours aimé les rencontres. Vous, on se rappelle notamment de Cesaria Evora ou de Tiken Jaffa Coli sur votre précédent disque. Là, vous le disiez, on retrouve Jero, Trio et même Raoul Paz sur la version collector de l'album. La musique pour vous, c'est un partage? C'était un hommage qu'on a voulu faire à Ray Barreto, qui était un grand musicien qui nous a quittés il y a 2 ans. Grand musicien, pas que percussionniste, musicien dans tous les sens du terme. Et Raoul le connaissait aussi, donc on a fait une version d'une chanson que j'avais faite avec Ray, en hommage à Ray. Et alors à propos de Jero, dont je vous parlais à l'instant, vous ne le saviez peut-être pas, mais ça, l'une de ses toutes premières télés, c'était pour C'est d'aujourd'hui. Vous-même, vous avez participé 4 fois au programme, qui fêtera d'ailleurs ses 7 ans au mois d'avril prochain. Ça vous arrive de regarder un peu l'émission et de découvrir de nouveaux artistes via le programme? Ça m'arrive souvent parce qu'elle passe dans le monde entier, je crois. Elle est sur TV5 Monde.
Et le format qui fait que c'est assez court, c'est la durée d'une chanson, hein, c'est 3 minutes, 4 minutes. On va direct à l'efficace, hein, direct à l'essentiel. Direct à la chose. Et finalement, vous avez découvert beaucoup d'artistes bien avant qu'ils soient célèbres. Donc c'est une qualité et les programmations. C'est un risque qu'a pris la chaîne. Et je trouve que c'est un bon risque parce qu'il y a certaines émissions, certaines radios qui font découvrir des artistes alors qu'ils seraient restés un peu dans l'ombre si on ne les mettait pas en avant. Et j'estime que votre formule est une excellente formule. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on va s'intéresser à nos invités et aux journalistes qui doivent être je ne sais où. On les retrouve tout de suite. Angèle, je suis avec Mokobé.